aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous nous avez beaucoup demandé. Oui, vous nous avez beaucoup demandé de faire une vidéo 24 heures où je mange une seule couleur. On se retrouve donc aujourd'hui dans une vidéo tout en... bah, je sais pas, vert ou rose. Je sais pas. Donc on a le choix, un vert comme ça ou un rose comme ça. Allez, on va prendre le rose. On va faire une journée 100% en rose. On va manger en rose, on va s'habiller en rose, on va se déplacer en rose. Donc vous pouvez dès maintenant faire exploser le compteur des pouces bleus. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Allez, on commence parce que là j'ai un peu de rose, mais pas 100% de rose. Oui, je sais, ici à Marseille on dit rose, pas rose. C'est comme ça, on dit rose, pas rose. Donc en premier, on a ce serre-tête rose. Très mignon, regardez. Ça c'est un joli t-shirt que je mets en dessous. Ça c'est mon magnifique onesie que je porte quand je regarde la télé. Et là j'ai un blouson sans manches rose que j'adore. Et bien sûr, on n'oublie pas les chaussures que ma maman adorée m'avait offertes. Me revoilà à la maison dans ma tenue rose. Et devinez quoi? J'ai acheté plein de produits au supermarché et c'est tout rose. Tout ça parce que vous m'avez beaucoup demandé un challenge 24 heures en rose. Donc dans ce challenge, t'as mangé que de la nourriture rose pendant 24 heures. Une journée entière. Allez, suivez-moi, on va voir comment ça se passe. Les amis, voilà tout ce que j'ai acheté au supermarché. C'est pas un peu fou, non? Regardez toutes les options que j'ai trouvées au supermarché. Tout est rose. J'aurais jamais pensé à autant de choses. Allez, on va commencer avec le petit déjeuner. Moi, le matin, quand je me réveille, je mets mon peignoir rose et je mange des céréales. Ce sont des Kellogg's spécial K. La boîte est superbe, mais regardons à l'intérieur. Oh oui, c'est joli, ça sent super bon. Bien, allez, on va rajouter du lait. Oh là 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 là, c'est du Nesquik rose. Ça dit bien que c'est à la fraise, mais j'ai jamais essayé. Je connais seulement le Nesquik au chocolat. Oh my god, regardez cette couleur! Et maintenant, on va préparer notre lait rose. Ça va suffire. Maintenant, on va mettre un peu de lait. Ça a l'air trop bon, c'est tout rose! Maintenant, on mélange. C'est trop joli! C'est vraiment tout rose! Et maintenant, je verse les céréales à l'intérieur. Voilà! C'est trop beau, regardez! Ça fait un petit déj trop joli! J'ai aussi trouvé des biscuits en forme de donuts. Allez, on les ouvre! On va voir comment c'est à l'intérieur. J'espère que c'est pas trop sucré. Là. Oh, ils sont vraiment mignons. On a vraiment envie de les croquer. Ces biscuits roses sont parfaits pour accompagner un yaourt. Celui-là, par exemple, j'espère qu'il est rose. Bah non, c'est tout blanc. Mais c'est pas vrai, l'emballage était rose. Bon, c'est pas grave, je rajouterai des biscuits roses dedans. Bon, en tout cas, cette option, je la mets de côté pour mon petit-déj aussi. Maintenant, je vais préparer mon petit-déjeuner préféré. Ce sont des pancakes, ou bien on peut dire des crêpes. Parce que tu vas voir comment je les cuisine très mince. Bon, je respecte pas vraiment les mesures, je vais juste faire comme je peux. Comme ceci. Maintenant, on va mettre un peu de farine. Je fais tout à vue de nez. C'est la catastrophe, ça, j'en ai beaucoup trop mis. Il y en a beaucoup trop. Ok, maintenant, on va mettre un peu de vanille pour mettre un peu de douceur. Maintenant, on va mettre un peu de colorant. Voilà. Bon, maintenant je vais mettre un peu de lait. On va faire cuire tout ça et après ça va faire des crêpes. Mais là on mixe. Voir ça, ça met l'eau à la bouche. Ça chauffe, ça chauffe. Je vais essayer de pas la faire trop brûler. Je l'ai retournée parce qu'elle commençait à brûler.
On a une belle couleur de crêpe. La première crêpe est prête, maintenant je vais faire la deuxième. Je suis trop contente. Ça sent bon la vanille. Ça a vraiment une belle couleur rose. On aurait dit une peau avec des gros boutons dessus. Ce rose est vraiment parfait pour notre challenge. Bon voilà, c'est la troisième crêpe. Et ce qui est bien avec cette machine, c'est que ça colle pas parce que la machine est anti-adhésif. Bon, je pense qu'elle est prête. Ouais, elle est prête. Quand on les regarde, ça met l'eau à la bouche. D'habitude, sur mes crêpes, j'ajoute des fruits du genre de la banane, de l'ananas ou des fraises. Mais aujourd'hui, on fait le challenge de manger tout en rose pendant 24 heures. Donc on va ajouter ces belles fraises roses et de la pastèque. Maintenant, soyons créatifs et on va mettre des fraises sur les crêpes. Maintenant, on rajoute la pastèque. Maintenant, on va les plier en quatre. Ici, beaucoup de pastèques sur celle-ci. Ça a l'air délicieux. Délicieux. Pour celle-ci, je vais essayer ce sirop rose. Je sais pas ce que ça va donner. Allez, go! Trop génial, on peut dessiner avec. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous faites? Vous vous roulez les crêpes ou vous les pliez en quatre? C'est vraiment important de savoir. Cette dernière, je la roule. On dirait une grosse cigarette. Allez, on met ça de côté, c'est notre option pour le petit-déj. Bon voilà, j'ai plein d'options pour mon petit-déjeuner. Je vais commencer par quoi? Commençons par les crêpes, j'espère qu'elles vont être délicieuses. Oh my god. Celle-ci est au sirop de fraise. C'est un peu sucré quand même. Mais c'est bon, ça va. C'est délicieux en fait, je trouve quand même. C'est délicieux. Mais on sent quand même que c'est pas des vraies fraises. Ouais. Bon, maintenant je vais manger celle avec les vraies fraises. Donc j'ai commencé par celle-là. Ah oui, c'est un goût bien différent. C'est bien meilleur quand c'est naturel. Je vous conseille vraiment de prendre des fruits naturels avec des vraies couleurs. Maintenant je vais essayer le lait avec les céréales. Ça a l'air vraiment bon. Allez, on teste. C'est trop bon. Spécial cas, je pensais vraiment pas que ça serait aussi bon. C'est trop bon. Maintenant, on va essayer le yaourt au biscuit. Je sais pas quel goût ça a, mais c'est bon. C'est un peu bourratif pour un petit déjeuner. Les gâteaux sont excellents en tout cas. Mais on allait oublier la boisson, mais c'est important dans un petit déj. J'ai ici un jus de fraise, un jus énergisant innocent. Dedans, il y a des fraises, des cerises, des pommes, du guarana avec des vitamines. C'est excellent et c'est tout rose. Allez, on y va. Oui, ça sent bon. Maintenant, je vais goûter. 3, 2, 1. Bah oui, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est vraiment délicieux. Regardez toute cette nourriture rose que j'ai pour mon goûter du matin. Je sais pas si c'est important pour vous, le goûter du matin à 10h, mais moi c'est important. On va commencer par ça. En fait, je sais pas vraiment ce que c'est. Apparemment, ça ressemble à des nuages et c'est fluffy. Donc je vais essayer. En tout cas, c'est rose, donc c'est bon pour le challenge. Ça sent bon. Oh, il y en a beaucoup à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va mettre 300 ml de lait. C'est beaucoup, 300 ml quand même. Maintenant, j'ai mixé.
ils ont mis thé avec des vrais fruits. Donc à mon avis, c'est très bien. Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah, mais c'est pour 4 personnes! Ah, mais je comprends maintenant pourquoi c'est super gros comme ça. Ah ouais, moi j'ai tout mangé. Ah, faut attendre 5 minutes. Bon, je le mets de côté, je vais tester quelque chose d'autre. Bon, maintenant, je vais essayer ce lait à la fraise. Regardez le dessin de la vache, c'est trop marrant. Faut bien secouer et j'ouvre. J'espère que je n'aurai pas de surprise et que ça sera bon. Oh là là. Ça sent rien pour l'instant. En fait, c'est vraiment bon. Waouh, ce lait à la fraise est délicieux. Ça a vraiment le goût de la fraise, c'est parfait. Je peux plus m'arrêter là, je peux plus, c'est trop bon. Produit suivant, c'est une compote à la pêche, à nectarine et la guava. Ça sent bon. Ok, j'ai goûté. 3, 2, 1. Cette compote, ça a le même goût que les compotes que McDo donne. Et c'est trop bon. Bah ouais, je peux plus m'arrêter, c'est la folie. Option suivante, encore une compote. Dedans, il y a des cerises. Waouh, c'est tout rouge, c'est pas du tout rose. On dirait du sang. C'est bon. Allez, je goûte. Go. C'est bon. Oh, c'est pas bon. Je vais cracher. Ça, c'est en fait vraiment dégoûtant. Le problème, c'est que c'est trop sucré ou bien c'est trop... Je sais pas, mais pour faire passer ça, il faut prendre un jus. Je vais essayer ce jus d'orange. C'est un jus d'orange sanguine, donc c'est rose. Je vais essayer. Ok, je vais essayer. Désolée, mais j'ai jamais vraiment aimé le jus d'orange. Et là, c'est très acide, je trouve. Non, ça me plaît pas du tout. Pour terminer, on va revenir vers ceci qui s'appelle Angel Delight. Et on va goûter. Je vais mixer une dernière. Vous avez vu? Oh, ok, je vais juste laisser comme ça et goûter. Oh, c'est trop moelleux. 3, 2, 1. Ok. Donc pour ceci, c'est pas aussi bon que je pensais. Donc je vais plutôt donner une note que dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc la note, ça sera peut-être 5 sur 10, ouais, parce que c'est pas très bon du tout. Ouais. Voilà, ce goûter de 10h est terminé. Les amis, c'est l'heure du déjeuner. Je pensais préparer du riz parce que pour moi, pas de riz, pas de repas. Ça veut dire que si je mange pas de riz, c'est comme si j'avais pas mangé de repas. Regardez cette beauté, les amis. C'est trop beau et trop succulent. Ça donne envie, hein. Pour faire ce riz, j'ai pris ce riz et du colorant rose. Vous mélangez et vous faites chauffer et on obtient ce riz rose. Mais qu'est-ce que je pourrais manger avec ce riz rose? Bah, du spam. C'est du poulet, hein? C'est quoi exactement? Je sais pas si vous avez déjà mangé du spam, mais c'est vraiment bizarre. Allez, on va essayer de découvrir. Oh, regardez, c'est rose. C'est comme du pâté. Ça a l'air bon quand même. Oh là là, c'était super difficile à faire sortir de la boîte. Oh, voilà. D'accord. Allez, on va goûter. En tout cas, c'est rose, hein. Le riz est bon. Maintenant, on va goûter un peu à ce spam. Oh, j'ai trop peur. Voilà. Ok. Ça sent mauvais. Ah, c'est comme si
je vais manger de la pâté pour chat. Ça a la même odeur que la pâté pour chien et on aurait dû le même goût. C'était une super mauvaise expérience. Bon, pour faire passer cette vraiment mauvaise expérience, on va essayer de manger de la salade. On va manger des betteraves rouges. Enfin, je vais tout mettre. Trop bon. Ça fait bien oublier cette mauvaise expérience avec le spam. Pour le dessert, j'ai trouvé des smoothies roses que je vais mettre dans mon verre. Et puis, je vais manger de la gelée rose. Voilà, mon jus est bien rose. Et maintenant, je vais ouvrir la gelée. Ça sent trop bon. Par contre, c'est tout noir et un peu rouge. Regardez, on voit à travers, c'est transparent. C'est comme du bonbon. En fait, c'est bon. C'est une sorte de gros bonbon gélatineux. Bon, maintenant, on va goûter au jus. Le smoothie est excellent. Allez, j'ai terminé mon repas. Voilà les amis, c'est l'heure du second goûter. J'ai toutes mes friandises roses. Regardez mon gros goûter. Tout ça, c'est pour mon second goûter du 4 heures. Oh là là, j'ai vraiment l'impression d'avoir mangé pendant toute la journée. Regardez tous ces aliments roses que j'ai trouvés au supermarché. Allez, on va déguster les chamallows. Bien sûr, je mange que les roses. Ça fait super rose. Je pense que vous avez du mal à voir ce qui est blanc et ce qui est rose parce que c'est vraiment très très light. En tout cas, les marshmallows, tout le monde connaît, c'est délicieux. Allez, on passe à quelque chose d'autre. On va passer par ça qui s'appelle yo-yo. Donc on va y déguster. C'est un rouleau à la cerise. Je vous montre, c'est très populaire dans les écoles ici. Bon là, il y a erreur, j'arrête de manger, c'est pas rose. Maintenant, on essaie cette compote. C'est une compote à des patates douces. En plus, c'est pour 4 fois encore. Bon, vu l'emballage, c'est rose, mais est-ce que c'est vraiment rose dedans? En fait, c'est pas rose, regardez. Je me suis fait avoir, mais je vais quand même goûter. J'ai pas envie de goûter. En plus, ça sent pas bon. Bon, allez, on laisse tomber, c'est pas bon ça. Aliment suivant. Maintenant, j'ai essayé ces gâteaux parce que j'ai encore très 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 faim. C'est des petits gâteaux et ça s'appelle Mr. Kipling. Vous trouvez pas que c'est mignon ça? Et en plus, regardez, là il y a du rose et là il y a du orange, c'est les gâteaux. Ça sent bon, ça a l'air super délicieux. C'est pas trop à mon goût quand même, c'est trop sucré. Bon, tout ça c'était trop sucré, il me faut un jus. Donc ça c'est framboise et avec des fleurs. Bon bah je vais essayer, ça a l'air sympa. Oh! Oui, pourquoi pas. Je vais quand même y verser dans un verre pour bien m'assurer que c'est rose. C'est pas rose du tout, je me suis fait avoir. Ah si, c'est un côté rose mais très très pâle. Ce goût est très très fade, je vais laisser ça et je vais prendre des bonbons. Ah regardez, c'est Candy Kitties. Regardez, c'est des Candy Kitties. Donc désolée mais je vais vous manger les kitties. Ça sent bon. Ça sent trop bon, allez je vais les manger. 3, 2, 1, go. Ça sent trop bon. Et le goût est absolument génial. Ça je vous recommande parce que ça c'est trop 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 bon. C'est trop trop bon. Regardez comme c'est mignon. Des petites têtes de chat. Bon bah voilà les amis, c'est le soir. Qu'est-ce qu'on mange le soir tout en rose? On va reprendre notre riz rose et on va ajouter quelque chose avec. Du taramasalata. Ou bien on peut choisir du thon rose. Ou bien juste du jambon. On va commencer par le taramasalata. Ça a l'air un peu bizarre.
du poisson, je dis. Bon, je vais goûter un peu pour voir si j'aime. Bof, mais je vais mettre un tout petit peu dans le riz. Maintenant, on va voir pour le thon rose. Ah, mais c'est pas rose, ça c'est un peu trop mauvais. Donc le thon est mis de côté. Maintenant, je vais essayer le jambon. Donc le jambon, c'est bien rose, il n'y a pas de problème. Je la mets à côté. Et maintenant, on déguste. Miam, miam. Bon appétit, les amis. Bon, voilà, j'ai terminé le jambon, mais il reste encore beaucoup de riz. Mais je trouve que c'est un peu triste quand même, tout ça. Ce qui me manque, c'est des légumes. Donc, j'ai mangé des radis. J'adore les radis. Et vous, les amis? Ils sont bien roses à l'extérieur. C'est un vrai délice de terminer un repas avec des radis. Mais il manque au dessert quand même. Regardez ce que j'ai pour mon dessert. Des mousses à la fraise bonne maman. J'adore tout ce qui est bonne maman, moi. On va déguster. Je n'arrive pas bien à sentir l'odeur. Bon, allez, je vais goûter dans 3, 2, 1. Non, désolé les amis, j'aime pas cette crème, cette mousse. Je pense que ça manque de naturel en fait. Tout à l'heure, j'avais bu un jus à la fraise, il était délicieux, je pouvais plus m'arrêter. Mais là, il n'y a rien à faire. Cette mousse à la fraise, là non, je peux pas la manger. Bon, voilà les amis, on a fini ce challenge 24 heures en rose. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Si vous adorez ce style de vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à ma chaîne. Parce que c'est en vous abonnant que vous allez recevoir des notifications. C'est des petits messages qui vont vous prévenir que vous serez les premiers à voir notre nouvelle vidéo. Super, non? Allez, gros bisous mes kitties.